Sophie, bienvenue dans ce nouveau vlog. Direction Mustapha Center, on va faire les courses ensemble. C'est parti! On est dans le rayon, je cherche des poudres ayurvédiques, donc je vais prendre quelques poudres pour m'en servir comme masque. Donc ça, ça sera pour les filles. Poudre de Methi. Je vais prendre la poudre de Shikakai, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. C'est très bien pour utiliser comme masque, mais aussi pour laver les cheveux, puisque ça a un pouvoir vraiment lavant. Je vais prendre celle-ci pour essayer. Je vais pas prendre ça. Je vais juste prendre ces deux-là. Voilà. Donc là, je cherche Saint-Yves, les produits Saint-Yves. Normalement, ils sont ici. Si je les trouve, non, j'ai pas l'impression que ça soit. Ah mince, je crois qu'ils sont couverts. Donc moi, le truc que je prends tout le temps, c'est ça. C'est le numéro 1 à Londres, hein, ce gommage ici à base de noyau d'abricot. Donc moi, je le prends, je l'utilise pour le visage, mais aussi pour le gommage du corps. Donc je vais prendre celui-ci. J'avais déjà essayé celui-là, mais j'aime beaucoup celui à l'abricot. J'aime bien l'odeur et je trouve qu'il dégomme, qu'il gomme super bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, je vais prendre... Normalement, il y a du gel douche. Alors habituellement, je prends le gel douche en grand format pour toute la famille. Et je prends aussi la lotion en grand format pour toute la famille. Et ce que j'aime bien, c'est que 100% des produits sont naturels. Donc j'utilise ça pour tout le monde. Bon, maintenant, reste à choisir quel parfum prendre. Voilà, j'ai trouvé. Le gel douche, il est là. Donc je vais prendre le gel douche qui suit avec le... avec l'hydratant. Qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas quoi prendre. Je crois que je vais prendre celui-ci. Bon, on continue dans le rayon beauté et je vais prendre un gros pot de vaseline ici. Et on va monter à l'étage. Ok, donc là on est dans le rayon thé et je vais prendre ce thé que je vous ai déjà montré aussi pendant le mois de Ramadan. Akbar. Il est super bon, c'est du thé mais avec plein de choses dedans, il y a des épices. Et voilà. Ok, donc il me faut des légumineuses. Je vais prendre des lentilles. Habituellement, je ne prends pas celle-ci, c'est un mélange. Habituellement, je ne prends pas ça, mais on va essayer. Donc, des lentilles. Quoi d'autre? On continue avec les lentilles. J'ai pris, donc ça, c'est celle que je prends habituellement. Et je vais tester ces lentilles-là que j'ai mangées la dernière fois chez notre amie pakistanaise. C'était super bon. Donc voilà. Super bon les lentilles pour la santé. Voilà, on a ce qu'il faut. Ok les filles, on reste dans les légumineuses et je vais prendre ça. Alors tout ce que je suis en train de prendre, les lentilles, les haricots secs, etc. C'est des recettes que ma mère elle faisait. Donc du coup, mes filles elles adorent. Et donc je perpétue les recettes à ma mère. Donc voilà, donc prendre deux paquets puisque Mustapha Center, je ne viens pas si souvent que ça. Donc du coup, je prends directement deux. Comme ça, voilà, j'ai de la marge. Allez, on continue. Ok, on continue les filles. Donc là, je vais prendre des flocons d'avoine. C'est pas vraiment des flocons d'avoine, c'est ce que j'utilise pour faire le pain. J'en mets un peu dans le pain et ensuite, je l'utilise aussi pour pétrir le pain. Donc, voilà, un paquet. Ok, continuons avec la semoule. Pour le pain, pour le msemen et voilà. Allez, on va prendre maintenant du riz. Et donc, je prends toujours du riz complet. Pâte complète et riz complet. Mais c'est juste dingue, il y a tellement de choix. Il y a tellement de choix que voilà, moi je pars vraiment vers les choses que j'ai l'habitude de prendre. Continuons maintenant, toujours avec la farine. Donc je vais prendre cette farine, c'est de la farine complète. Pour le pain, pour plein de choses. Mais surtout, essentiellement pour le pain. Par contre, j'essaie de voir s'il n'y a pas des paquets plus petits. Parce que là, il y a 5 kilos. Et le problème, c'est que avec la chaleur, il y a beaucoup de choses qui s'abîment. Donc du coup, j'ai peur de prendre le 5 kilos. Je préfère prendre vraiment des paquets de 1 kilo. Bon, si j'ai pas le choix, tant pis, je vais prendre celle-ci. Parce qu'elle a l'air pas mal. Elle est organique. Et voili, voilou. On continue, je vais prendre de la semolina pour faire les crêpes mille trous, les crêpes marocaines. Donc je vais prendre ça. Venez. Ça c'est mon rayon préféré, mais c'est aussi le rayon le plus cher. Donc il y a les amandes, pistaches, figues, dattes, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, les noix de cajou. Donc en général je prends ici à Mustapha Center. Donc on va commencer par les noix. 21,90$. Je ne vais pas prendre le grand paquet, je vais prendre. Je
prendre des paquets un peu plus petits. Je vais prendre donc des noix, des amandes, des figues et des dattes. Et des noix de cajou. Allez, c'est parti. D'abord, des noix. Voilà, ensuite. Ensuite, je vais prendre des raisins secs. Raisins secs, je vais prendre ceux-là et je vais prendre ceux-là. Je vais prendre aussi ces abricots secs, super bons dans les tagines sucrées. Okay, pour les dattes, je prends souvent ceux-là, les medjool. Et bon, c'est un peu cher, mais franchement, elles sont trop bonnes. Je vais prendre un grand comme ça, à 19$. Et il y a combien dedans? On a 907 grammes. Bon, ils auraient pu mettre un kilo, hein. Mais voilà, je prends ça. Il me reste à choisir des figues. Je sais pas quoi prendre. Encore une fois, il y a tellement de choix, c'est dingue. Bon, je sais pas, je crois que je vais partir sur celle que je prends habituellement. De toute façon, c'est des figues de Turquie. Puis donc là, on va prendre des légumes, en sachant que je dois faire un couscous mardi. Donc du coup, je vais prendre des tomates. Je vais prendre un potiron. Je crois que je vais en prendre deux. Je vais prendre un chou. Alors on continue les filles, je vais prendre ça, je sais pas comment ça s'appelle en français. Curry leaves, des feuilles de curry. Que je mets dans les lentilles, enfin dans les légumes, ça donne du goût. Des carottes. Voilà les filles, j'ai terminé. J'ai pris des oignons en plus, j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris? Des carottes, bananes, on va passer à la caisse. C'est parti! Donc là je suis à la caisse. Ce que je fais, c'est qu'en général je range par catégorie, comme ça quand je rentre à la maison c'est plus simple à ranger un sachet par catégorie. J'ai pas pris, d'habitude je prends mes sacs Ikea, mais là j'ai pas pris avec moi, donc tant pis. Allez, on y est presque. En général quand je viens à Mustapha Center, c'est tous les franchement 4 mois environ. Bon ben voilà les filles, donc ma facture, j'en ai eu pour 180$, ce qui fait 110 euros. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Donc merci à l'abonné qui m'a donné cette idée, donc qui m'a demandé, et j'ai trouvé l'idée super sympa. Donc n'hésitez pas les filles, si vous avez d'autres idées, des demandes de vidéos spéciales, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Et voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.